Ah, c'est sûr, ouais, faut pas mettre le truc si t'as pas de réseau. Alors pour les nouvelles arrivants, faut pas avoir peur de rectum, hein. Il dit beaucoup de conneries, mais il est pas méchant. Bah, Tom, je vais dire une chose, mon frangin est routier et il joue à Pokémon Go. Figure-toi qu'il en a plein. Bah, pourquoi tu veux pas te mettre là, toi, merde? Ah. Quoi ce bordel? Ok, bon bah ça veut pas aller là. Faire autrement. Un peu pourri le jeu de mots quand même. Ah merde, ça va pas se coller. Bah, tant pis, je ferai un truc vite fait. Après, à Tours, t'as peut-être des Magikarp, hein. Il veut pas me mettre la route là. Non, il veut pas me le mettre. Bon, on va se contenter de ça. Ouais, non, mais à Tours, t'as une rivière qui passe à Tours, donc il y a peut-être moyen d'avoir pas mal de Magikarp là-bas. Hein. Après, j'en sais rien, j'ai pas été depuis un moment. Donc, à l'époque, Pokémon Go était pas sorti, donc c'est peut-être des conneries, mais il y a peut-être moyen. Tac, tac. Par contre, ça va être un peu raide de passer, je crois. Ouais, non, ça me plaît pas. Tac.
Ok, bah passe une bonne semaine, Rectum. Il va revenir avec 10 kilos de moins, le pauvre. Il part en randonnée, là. Tac, voilà, ça devrait faire l'affaire, ça. Faut que je trouve un truc à foutre ici. Je crois pas qu'il y ait des piliers intéressants. Ah, quoique juste du bois, ça peut le faire. On va la faire. Alors, on va essayer de mettre un petit peu de déco là-dedans. Sachant que bon, on va plutôt remettre vers le bas. C'est bizarre ça. Pourquoi tu veux pas t'installer là? Hein. Ok. Sinon ça va tout le monde? Ah, moi ça va toujours. Hein. En vacances enfin, alors ça va. Je sais plus où sont ces machins-là. Non, ça doit être là-dedans. Mettre les trucs un peu plus traditionnels. Et qui va faire sombre. C'est quoi ces chapeaux ça? Hop. Ouais, t'inquiète pas, on va faire un petit tour à Paddy Coaster. Je vais en faire 2 jours et 2 nuits, vu qu'il y a toujours des différences. Tac, c'est bon. Bon, après, la qualité, malheureusement, c'est ma connexion, hein, donc ça, je peux rien y faire. Les lumières. Un petit peu de trucs tamisés. Ça, non, on va plutôt le garder pour après. Ouais, la rediff du live d'hier sort demain, donc samedi. Et celle d'aujourd'hui sortira dimanche, du coup. J'ai pas eu le temps de la monter et tout. Puis je me suis dit que si vous mettez la rediff aujourd'hui,
Bah, y en a, ils hésiteraient à venir au live. Mais bon, il y a toujours une rediff, puis un petit récap. Voilà, maintenant le récap, j'essaye de le faire, vu que c'est très court, j'essaye de le faire pour 2-3 lives d'un coup. J'essaye toujours de faire en sorte, parce qu'il y en a qui n'aiment pas regarder les rediffs de live, vu que c'est long. Et je peux les comprendre, je suis pareil. Donc là, non, on va pas en mettre. Tac. Pilier en bois. Je sais pas si je suis fort, disons que à force de jouer, bah t'arrives mieux à faire des choses quoi. Qui se bloque encore dans la montagne. Là, on est bon. Allez. Ok, ça fera l'affaire. Tac. Et tac. Ouais, toute l'attraction sera souterraine vu qu'il y aura une autre attraction par-dessus. Et voilà pour ça. Espérons qu'on ait un peu plus de contenu au niveau gestion du personnel et des visiteurs à l'Alpha 3, mais bon. À mon avis, ça sera pour la sortie ce machin-là.
On va réduire un petit peu ici. Alors oui, des fois je parle pas, hein, mais c'est l'habitude de faire les vidéos en fait. Vu que je commande par-dessus, du coup, je suis concentré à ce que je fais, donc n'hésitez pas à parler dans le chat, hein, à poser des questions ou parler d'autre chose, y a pas de souci. Parce que sinon, c'est un live assez vide. Même si c'est des questions qui n'ont rien à voir avec, avec le jeu, hein, c'est pas un souci. Ouais, je sais, le problème qu'il y a, c'est que ces moyens plus rapides me détruisent toute la déco. Ou alors elle est complètement cachée en dessous. Donc du coup, j'y vais par précaution. J'avais fait un test une fois et ça m'a fait chier de tout recommencer. De toute façon, vu du dessus, il n'y a rien besoin. Oh, c'est parfait. Je vais faire un ramassement. Un peu. Encore un petit chouï. Ah, nickel. On n'aura plus qu'à colorer le sol en dessous. Et ça sera bon pour cet endroit-là, du moins. Et après, je vous fais le coaster vu qu'on est en pleine journée. Puis à un moment donné où on sera en pleine nuit, je ferai tourner aussi. C'est nickel.
Le plus chiant à faire, c'est de... ça va être de faire des stalactites une fois que la caverne sera totalement refermée. Salut Eric! Ah, c'est cher. C'est pour ça qu'il y a des passes annuelles. Beaucoup moins cher. Voilà, on est bien là. Je termine où là? D'accord. Voilà, comme ça ici on n'aura plus qu'à faire une entrée de mine. Et refaire la montagne par-dessus. Là, faudrait que j'arrive à refermer comme ça ici. Ah, quoique non, il y a encore tout ça là-bas à faire. J'ai oublié quelque chose. Oh, tu vas t'ouvrir, toi? Là, on est parti.
Bon, après, c'est beaucoup plus joli en pleine nuit, hein. Aux environs de 17h30, 18h à peu près, je pense. Et après à la rentrée, ça sera surtout des lives le vendredi soir à partir de 20h30. Là, c'est parce que j'ai envie de terminer ce projet de live là avant l'Alpha 3 justement. Donc c'est pour ça que j'en fais en pleine semaine, un peu à l'arrache comme ça. Sinon en général c'est tous les vendredis soir. Donc là c'est pareil avec l'Alpha 3, normalement la lumière verte sur les murs on devrait la voir mieux que ça. Et là, j'ai encore rien fait. Donc il n'y a pas de déco, pas d'effet de lumière, il n'y a que dalle. Et voilà. Alors, ouais, ça doit être ça.
suis jamais allé. Rarement allé en Belgique, et le peu que j'y étais, c'était à la frontière, donc j'ai pas été très loin. Je saurais même pas dire où est le parc, justement. Voilà, on va quand même mettre quelque chose là aussi. Ça devrait faire l'affaire. Ah ouais, mais quelle frontière! Moi, les rares fois où j'étais en Belgique, bah déjà j'étais jeune. Et c'était pour les boîtes de nuit. Donc ça date d'il y a un petit moment. Et j'ai même pas fait tous les parcs d'attractions de France encore, donc c'est pour te dire. Donc là on est bon. Il faudrait que je rajoute un petit décor là en plus. Histoire de. On va s'arrêter là ici. Il y a peut-être moyen de rajouter quelque chose ici. À 20 minutes de Lille. Ah oui, bah c'est pas du tout par là où je passais. Nigloland, non, j'ai pas fait encore. Je pense que je le ferai quand j'aurai des enfants. C'est un des parcs que je garde pour plus tard. Ouais, tiens, on va profiter de ce petit trou là. On va faire aussi un petit truc là-dedans. Tac. Voilà, ça devrait être faisable tout ça. Bah j'en ai pas fait tant que ça, mais c'est surtout à répétition que je les ai fait. J'ai fait bah Disney à répétition, Astérix parce que j'habite à côté. Futuroscope, j'ai fait. Et même si c'est pas un parc, le Puy du Fou. L'entrée, on va la mettre là. Et la sortie, on va la laisser là. Là, on est bon. Tac. Et les parcs Astérix, j'y vais très souvent, vu que ma femme y travaille aussi. C'était quoi le machin? Je vais tenter un truc, je sais pas si ça va donner quelque chose. Ah si! Si si, ça le fait. Alors, par contre, ça va être assez compliqué de bien le rattacher, je pense.
Ah si, ça peut faire sympa ça. Allez. Changera des grilles traditionnelles qu'il y a sur tous les coasters. Et puis et du coup ça fait même des murs assez sympas je trouve. Pour le ralentir, parce que ça reste un coaster familial. Il va y avoir des coasters à sensation sur d'autres attractions et il allait justement trop vite. Ah ouais, mais là je peux rien mettre là. Mettre comme ça à la rigueur. Les coasters à sensation devraient pas tarder à arriver. Il y en a un dans la zone futuriste. Un justement qui a passé par-dessus cette montagne et qui va rejoindre le côté un peu romain. Et il va y en avoir un qui va faire un peu toutes les zones. Donc là. Tac 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 tac. Du coup j'aime bien ce truc là là. Peut-être moyen de faire quelque chose avec. Salut The Boss. Parce que là, ouais, ça va pas passer là. Faut que je trouve quelque chose à mettre là. Là, la file d'attente. La file d'attente. Non, c'est la sortie, ça. Non, on ne peut pas. Alors, j'espère qu'ils vont rajouter l'option, mais on ne peut pas. Bah, j'y vais même demain au parc Astérix pour te répondre. Après, je serai un peu partout dans tout le parc à chasser. Qu'est-ce que ça donne si je les croise? Ah mais ça fait des murs sympas ce truc là, putain j'aurais dû l'utiliser plus tôt. Tac. Ah merde. Et tac.
Ah, si on arrive à se voir dans le parc, ouais. Alors. Tac. Non, c'était pas là. Ah bah oui, c'est cool hein. Ouais. Moi je vais dire une chose, je troll le parc Astérix parce que j'y vais juste pour les Pokémon, tu vois. peut-être pas en mettre autant là. Tac. Voilà, ça peut le faire ça. Par contre, question, est-ce que je peux... Ah oui, je peux quand même fermer, c'est cool ça. Vas-y, on arrive à se trouver, oui. Après, je sais pas encore vers quelle heure j'y vais et tout, donc je pense que je te tiendrai au courant. Je t'enverrai un message via YouTube pour qu'on organise tout ça si tu veux. Je sais pas encore vers quelle heure j'y vais. Tac, ok. Que je fasse à l'ancienne, je crois. Tac. Ah oui, mais qu'est-ce que je vais utiliser? Ouais, parce que si je te dis pas où on se rejoint et tout, vu que tu connais pas ma tronche, ça va pas le faire. Ah mais voilà, monte. Tac, et si je cache avec. Le pilier, ce machin affreux là. Ah oui, mais... Tac. Bon, premier essai de prison. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon pour faire de prison? Tac 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 tac. Est-ce qu'on n'a pas de toute petite pièce en bois là? Moi, je vais mettre à la verticale pour les autres, ça pourrait faire sympa. Ma femme ne sait jamais où elle travaille. En fait, elle arrive le matin, on lui dit tu fais ça.
Donc elle ne sait jamais où elle est à l'avance. Mais ouais, ça lui est déjà arrivé de faire le grand splash là-dessous. Ok, il n'y a pas de souci. Par contre, ça manque un peu au milieu là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah, il y a peut-être moyen comme ça de faire un truc. Ah, il y a moyen. Tac, je vais en mettre un. Ouais, si, un petit peu de lumière par la suite et ça devrait le faire. Dans la logique, je devrais y aller aussi du matin, mais je suis pas sûr de tout. Je préfère pas te dire de conneries. Tac. Pas de route en bois ni rien. Il donne quoi le rouge? Ça fait tâche. Alors on va mettre le rouge. Ça c'est bon. Me fait lui. Hop. Ouais, c'est pareil, il faut que je fasse le décor avant. Ça serait mieux. Soit je pars directement de là. Je vais directement récupérer le truc. Ouais, ça s'apparente. Ah oui. Hop. Après, si j'arrive tôt avant que ça ouvre, je serai sûrement sur le à côté de la serpette avant l'entrée là. C'est un Pokéstop pile poil à cet endroit-là. Ah merde, je peux pas faire.
Ouais, bon, on va le faire quand même comme ça, hein. On va se démerder. Niveau de la hauteur. Tac. Franchement, j'aime bien ces trucs là pour faire des murs, c'est sympa. Salut Zach! J'en ai regardé vite fait quelques-uns qu'on m'a conseillé de regarder quand je faisais le premier ou le deuxième live, je sais plus. Après, je t'avouerai que j'ai pas eu trop le temps. Je vais le faire partir par là. Ça, là, ils verront. Ok. Et ensuite, ouais, on va faire comme ça. Est-ce que ça va faire un jour du coup? Merde, ouais, ça fait un jour. Bon. Rattraper le tir en faisant ça, c'est pas trop grave. Tac. Quoique. C'est là comme ça. On va récupérer là. Là, il y a de la place pour tourner. Ok. Voilà. Hop là, voilà. Là, on est bon. Du tout, on va tout fermer. Non, c'est bon, je pourrais cacher le jour aussi. C'est vrai qu'il y a la montagne qui passe par-dessus. On va faire cache-misère. Par contre, ça, j'avais pas vu ça. J'enlève ça d'abord. Tac. Jour au niveau du sol.
Ok, donc là, on est bon. Que on va garder. Ah, mais là, c'est un rouge dégueulasse. Le gris fera peut-être moins tâche. Ouais, on va garder ça. Ça là, moi, tiens, voilà. Ouais, c'est vrai que vous voyez un peu bleu avec la qualité, malheureusement, mais c'est du gris, donc c'est la file d'attente gris et la sortie rouge. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau des couleurs des routes, on est assez limité, quoi. J'espère que ça va changer. Mais non, je suis pas un super youtubeur, faut arrêter. Ensuite, on va sortir de ça. Hop. On va reprendre le... Tac. J'ai essayé de le mettre droit. Pas évident. Voilà. Ensuite. Ah merde, faut que je recommence. Tac. Ça donne quoi? Là, on est bon. Et ensuite, le bleu. Hop. Donc là, on devrait être bon. Et merde, ça revient à chaque fois, putain. Allez. On y croit, ce que si. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. Moi, ce que ça peut faire. Vers le milieu. Là, je vais mettre un poteau pour que ça fasse plus propre. Ok. Bah, pas évident de faire une prison, hein.
Au niveau de la hauteur, je dois être bon. Tac. Tac. Ok, là on est bon. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est le bleu, on le retourne. Tac, donc là on est bon. Alors c'est la première fois en plus que je fais un live construction. D'habitude c'était que principalement décor et le coaster. Ouais, c'est pas très propre. Ok. On va rectifier le tir. Je remets dans le bon sens et je l'inverse. Tac. Peut-être mieux. Pourquoi il m'a fait ça, ce... Allez, bouge un peu. Tac. Voilà. Pourquoi une prison? Parce que c'est, je sais plus qui. Je crois que c'était Enzo qui en avait parlé dans le premier live. Il voulait qu'on fasse une prison dans le coaster. Le problème qu'il y a, c'est que bon, à la vitesse où ça passait, on n'aurait pas forcément bien vu. Donc du coup, la prison, j'ai décidé de la mettre en file d'attente, du coup, en déco. Simplement. Les piliers. Tac, c'est le bon. Ouais, c'est le bon. Oh. Ça dépasse, on va plutôt le garder comme ça. Faire un truc propre. Ouais, je prends aussi les idées de mes abonnés. Hein, donc, c'est vrai que la prison tombait bien avec cette petite attraction tout public. Un peu effrayant parce que bon, on n'a pas réussi à faire trop effrayant malheureusement. En même temps, on n'a pas trop de trucs qui font que. Voilà. Déco. On va tout de suite le faire. Ouais, bien sûr. Hop. Et hop. Non, ça va, ça le fait. Ouais, un petit désaccord ici, mais bon, on va pas trop s'en plaindre non plus.
Du coup, je... Ah oui, putain, il est déjà 16h. Ok, donc je sais pas si on va avoir fini le truc aujourd'hui. Non. Non, 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 ça, je veux pas. Voilà. Placement auto, c'est de la merde. Est-ce qu'on est droit déjà? Ouais, on est droit. Ah, il touche à peine. Ouais, quoique, c'est pas trop grave ça. Non, malheureusement, je pourrais pas jusqu'à 20h. Sinon, j'aurais fait un live à 20h30 comme d'habitude, le vendredi, tu vois. Mais là, je serais plus là déjà. Et comme j'ai dit, c'est les vacances, donc j'essaie d'en profiter aussi un peu, hein. Mais vrai que je peux pas partir vu que madame travaille. Donc, du coup, bah voilà. Là, j'ai fait les lives pour. Pouvoir enfin terminer ce coaster, mais du coup oui, je profite aussi de mes vacances. Voilà, alors essayer de garder le même truc. Tac. Bon, c'est bon, ça dépasse pas. Non, je ferai pas d'FAQ et j'en ferai probablement jamais. Tout simplement parce que ceux qui veulent avoir des réponses à des questions, bah, ils ont qu'à venir en live. Parce qu'on peut poser toutes les questions en live. Surtout que c'est un live YouTube, c'est pas un live Twitch ni quoi que ce soit, donc je vois pas l'intérêt de faire une FAQ. Et même quand j'aurai, si un jour j'ai 1 million d'abonnés, je ne ferai pas d'FAQ non plus. Je préfère faire des. Comment on dit comment dire? Répondre en live comme ça. T'es plus. Tu restes plus proche de tes abonnés et tout. Quand tu réponds comme ça en live, moi je trouve ça plus honnête qu'une FAQ en vidéo. T'as eu toutes mes vidéos, bah t'as du courage parce que les premières c'était un peu de la merde. Tac, et là ça retombe où là? Ah bah là ça tombe pile poil donc c'est bon. On est ok. Alors là, tac. Ah là j'aime pas où il tombe. Ok. Tac. Faire autre chose ici. Et là, du coup, il tomberait plus ou moins là. Ouais, non, on va laisser comme ça. Bon, vous en pensez quoi pour le moment de la prison?
Quoique, pourquoi je me fais chier à faire ça? À la retourner. Il suffit juste de la superposer. Bah, vu qu'en même temps c'est un peu le thème principal du pirate, j'ai envie de dire que ça tombe plutôt bien, hein. Non, c'est surtout que j'ai encore pas fait de trucs en bois. Je vais tout répertorier. Donc là c'est maison briques, un peu mur en crépi. Là c'est du romain, château de pierre, toilette en pierre, coaster en pierre. Du futuriste. Donc du coup je me suis dit que pour ce coaster là, qui est un peu une grotte et tout, avec des kraken et des bateaux pétés, des... Bref, je me suis dit qu'en bois ça tombait plutôt bien, je pense. Et c'est pour éviter de me répéter en fait, hein. C'est pas... Faut pas que le parc se ressemble entièrement, sauf si on fait un parc qui a un seul thème. Ce qui arrivera sûrement sur la chaîne à un moment donné. On fera des petits parcs avec un thème principal. Après, moi ce qui me manque là actuellement cruellement c'est d'autres automates. On a que le petit soldat là. J'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Bon, je pense que ça devrait arriver aussi. Par contre, je sais pas comment je vais éclairer tout ça. Je sais pas si en vert ça rendrait bien ou pas, j'en sais rien du tout. Ok. Ouais. Un petit souci là, c'est que j'ai pas fait le sol. Oh, quoique ça sera caché par la montagne, ça devrait le faire. Là c'est pareil, j'ai mis un sol mais je sais pas franchement s'il va me servir. Comment dire, à la sortie du jeu, bah le jeu il est encore loin d'être sorti. Et comment dire, une fois que c'est sorti, bah, c'est les modeurs qui vont nous ajouter pas mal de contenu. Un système où je pourrais faire des barreaux en métal. Non, les piliers, c'est des trucs gros. Ça, c'est tout petit. Ça c'est de la pierre. Ouais non, y a pas grand chose. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Je crois que c'est de... Ouais, ça doit être là-dedans. Par contre, le pied de ce truc me plaît pas trop.
Ah, les modes, c'est génial, ça te change un jeu. On va mettre ça comme ça. Et à la rigueur, on va en foutre un autre. Face à cette fenêtre. Tac. Ok, donc là on est bon. Modifier. Sens qu'il y avait des murs en bois d'origine, mais. Ah ouais, ils sont moches. Ils sont moches. C'est pour le sol, ça devrait passer, je pense. Donc là, ça passe pas, c'est bien ce que je pensais. Décorer, non, je vais rajouter plus d'effets de lumière. Et à l'alpha 3, il y a la vraie eau va apparaître. Donc du coup, c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir justement m'éclater à faire un beau truc. Quoique, ouais, je vais quand même en mettre un là au cas où. Je vais tout camoufler avec le terraforming après. Et là, on va mettre ça. Est-ce que ça passe? Ah, nickel. Voilà, ce sera toujours plus propre. Tu me fais ça toi. Allez. Hop, voilà. Un petit truc un peu plus sympa quand même. Même si je sais que quand on est sur les rails, on voit pas forcément ce qui est pile poil en dessous. Bien que ça fasse propre. Et quand on aura l'eau, on pourra toujours essayer de mettre un peu d'eau à l'intérieur, ça pourrait faire aussi sympa ce truc-là.
Voilà pour là. Et ici, on part directement en mine. Donc, il n'y a pas trop besoin de décorer à cet endroit-là. Surtout faire un plafond et le mur là, ça devrait le faire. Et puis dans le noir, on verra pas trop le truc affreux là, ça devrait le faire aussi ça. Ensuite, il faudrait que j'attaque ce côté-là aussi en déco. Il va falloir que je commence, c'est la descente. Ok, bon. Donc on casse bien la tête quand même hein, sur ce jeu. Tac 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 tac. Ouais, c'est sûr, ouais. Il y en a pas mal. Ah, mais. Enlève-moi ça, là. Voilà. Bah, en même temps, les petits ponts suspendus et tout, ça peut être sympa comme idée, non? Je mets un mur tout con. La hauteur, la hauteur. J'essaie de garder la même hauteur. Même s'il va falloir que je remonte derrière. Je réfléchis. Donc là demain, t'as la rediff du live de d'hier. Dimanche, t'as la rediff de ce live-là. Lundi, je fais une vidéo récap des trois lives, les trois derniers lives. Donc dans la logique, mardi. Mardi ou mercredi au plus tard. Je préfère me laisser une marge, hein, une marge vu que je suis en vacances. Voici, je vais laisser les rochers apparents. Tac. Et là, hop.
Ah, de toute façon, je supprime pas les vidéos, donc il n'y a pas de souci, hein. Tu auras juste un rattrapage à faire. C'est pour ça que je mets moins de vidéos actuellement, hein. C'est d'habitude, il y en a à peu près une tous les jours, sauf le lundi. Oh, tu sais, t'as le temps, hein, Cyprien, c'est les petites vidéos, je vais pas avancer de beaucoup, hein. Tu peux y aller, hein. Ok, donc là on a un petit problème. Tac. Tac. Là ça sert à rien. Hop. 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 À mon avis, là je l'ai dans l'os. Bingo. Donc, tac, et là, on ne voit pas. Ok.
Par contre, c'est long. Okay. Hop. Ouais, faut que je fasse gaffe. Tac. Ouais, ça le fait, ça va. Et voilà. On reprend le même principe. Alors. Voilà. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre en déco ici? Laisser les planches. C'est quoi ce bordel là? Ah, j'avais dit, ça dure pas longtemps. Manque cruellement de déco. Qu'est-ce qu'on peut foutre? C'est quoi ça déjà? Oh non, ça a rien à voir ça. Ouais, voilà. Ouais. Pourquoi je regarde là-dedans, moi? Qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans? On va remettre. Non, c'est pas celui-là. On va remettre les cages, hein, tant pis.
Tac. Non, reste droit, toi. Et tac. Dans la logique, ça devrait se suivre. Ouais, ça peut le faire. Ok, maintenant il va falloir que j'habille tout ça. J'ai juste fini la prison là, et puis j'ai mis les petits trucs, c'est tout. Pas fait grand chose. Plafond. Tac. Oh, ça me fait chier ce placement auto comme ça là. Il n'y a pas eu grand chose. Tac, ok. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Non, là, je vais rien mettre. Ça va faire des effets de lumière. Alors, ensuite, donc cette prison-là est terminée. C'est quoi ce bordel là? Je double le truc simplement pour avoir une petite marche quand je vais terraformer par-dessus. Pas trop que ça traverse.
je mettrai des jeux de lumière. Ensuite, ici, il faut que je mette un simple mur. Non, c'est de l'autre côté. Si je vais mettre un effet quand même. Ah merde. Voilà. Tac, et en remontant, ça va camoufler tout ça. Ça me servir de guide. Ok, et puis là, ça sert à rien que j'en mette de trop. Ok. Bon, alors là, on est bon. Il n'y a plus qu'à. Y'a plus qu'à, y'a plus qu'à. Tac tac, ok. Par contre, je suis gros là, oulala. Il y a 3. Parfait. Voilà, on a la base. Donc alors tout ça, ça va se refermer là. Non, je vais le faire en caverne, ça c'est bon ça. Ok, ça va être faisable. Quelle heure il se fait là? 16h50. Ouais, ça va. Il y aura encore un live la semaine prochaine pour finir tout ce truc là, et encore un autre live pour faire tous les petits détails qu'il va y avoir à faire, et à mon avis le troisième et dernier live sera la finition totale, je pense.
Donc en gros, ça va être la fermeture de la montagne. Donc on aura fini dans les temps avant l'alpha 3, donc c'est parfait. Comme ça, avec la sortie de l'alpha 3, il y aura un nouveau projet pour les lives. Qui pourrait être sympa, qu'on débutera du coup à la rentrée. Salut Adrien, comment tu vas? Alors, donc là on a refermé. Ici il faudrait que je referme après. Pour l'instant je le laisse comme ça. Là. Nickel. Nickel, nickel. Quoi qu'on va quand même le refermer au cas où. Ça fait de l'ombre en plus. Non, t'inquiète pas, je t'enverrai un message via YouTube un peu avant et t'inquiète pas, on s'organisera un petit truc. Et voilà. Là par contre c'est un peu abusé. Voilà. Ok, nickel.
Ah, t'inquiète pas pour les lumières. Je les fais toutes d'un coup, parce qu'il faut que. En gros, il faut que je mette la nuit pour que les. Pour mieux voir les effets de la lumière. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, donc là, il y a ce qu'il faut. Ok, ça commence pas mal tout ça. Il va falloir que je surélève le truc. C'est déjà reparti, Adrien? De ce machin là, ok. Et est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Bon, là, ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Faire une sauvegarde, c'est un petit moment que j'en ai pas fait. Merde, du coup j'ai quitté le bâtiment. C'est mieux. Ouais, pas si vite fait du coup. Je peux redescendre un chouï. Ouais, ok, ça doit être faisable. Là, la montagne va venir là, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Alors après, ouais, ça va être eux qu'il va falloir que je surélève. Tac. Ah, c'est bon. Après, il faut les reprendre indépendamment chacun. Ça, c'est par contre très chiant. Et après, on va même pas mettre de plafond, parce que ça va être la caverne qui va faire office de plafond.
enfin le dernier. Hop. Et non, il a pas été sélectionné. Alors. Voilà. Dans l'autre sens. Voilà. Ouais, sûrement, oui. Petite lumière tamisée ici. Hop. Et non, ça marche pas là. Ouais, les épisodes visite, je trouvais ça sympa. Un petit épisode de temps en temps comme ça, visite. Juste à regarder, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de construction. Le problème qu'il y a, c'est que si il n'y a pas de souci au niveau de la sauvegarde avec l'Alpha 3, une fois que le parc sera terminé, la visite, l'épisode, il va durer super longtemps, quoi. Donc je pense que je le couperai pareil en plusieurs petites visites. Avant d'attaquer un nouveau parc ou autre chose. Là on est bon. Hop. Qu'est-ce que tu me fais toi? Ah d'accord, on est bon. Ok. Alors. Tac, tac, modifier. Là, je peux mettre le toit. Hop. Tac. Tac. Et bien sûr, ça veut pas. Et tac. Parce qu'après la falaise va. Là par contre, ouais, je vais mettre un toit ici. Le parc, il a pas de nom. J'ai pas mis de nom au parc. C'est le seul truc que j'ai pas fait du tout. Alors j'avais pas d'idée de nom, j'avais pas d'idée. Du coup, je l'ai pas nommé. Tac. On peut faire un truc du genre. On va faire ça d'une autre manière. Hop. Tac. Et tac.
peux tamiser, c'est nickel. Il va y avoir un petit truc au fond, mais enfin, je trouve l'idée de le faire. Donc là, on est bon. Qu'est-ce que je mets ici? Ah, pareil, on va garder l'esprit un peu sombre. Ah oui, d'accord. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ces machins-là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Tac. Hop. J'espère qu'il n'y en a pas en dessous. Apparemment. Le prochain live, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais le faire. Tac. Voilà pour là. Là, je vais en mettre un sur deux, je pense. Tac, ok, là, ok. Là, pour la lumière, on verra après. Là, on est bon. Ici, il n'y a pas d'éclairage. Ouais, du coup, pour ici, on n'a pas trop le choix. Je vais mettre la nuit. Bon bah allez hop, on va attendre que la nuit arrive pour finaliser ce petit coin là et après bah ça sera pour le prochain live où on va continuer toute la file d'attente, le bâtiment, le monter intégralement pour le terminer. Bah, on a déjà plutôt bien avancé là, on a fait le coin boutique, on a fait ce un bon départ au niveau file d'attente et tout. Ah, c'est prévu, t'inquiète pas. Hein. Je vous l'avais dit là, que j'allais faire un tour en pleine nuit justement. Mais là, j'ai besoin de la nuit pour pouvoir mettre les spots lumineux sur les squelettes. Histoire de faire un petit effet. Un petit effet d'arrivée de fin de coaster. Tout en sachant qu'une fois recouvert, il y aura au moins en plus la lumière de la lune.
Par contre, la fonctionnalité jour-nuit, ce serait bien qu'ils nous la mettent là. Un petit clic là-dessus et boum, c'est la nuit. Ah bon, c'est pas grave, on va attendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je profite pour boire un coup, moi. Oh putain, le côté futuriste, la place qu'il prend, c'est hallucinant. Ça fait bien sombre là-dedans. Vivement qu'il répare les bugs de lumière, justement. On devrait pas avoir des faisceaux comme ça. Ouais, finalement, ça fera pas une trop grosse montagne, hein. Plein plein des vieilles comme des récentes. Allez, encore 3 heures du jeu, ça devrait être bon. Et une fois ça terminé, on pourra finir le côté romain aussi. Final. Ah, si, il y a de la place. Après, il faudrait que je mette un chemin là qui monte. Naturel, je sais pas si j'arrive à faire quoi. Genre quoi? Genre. Star Trek, les Stargate. Beaucoup, beaucoup science-fiction. Un peu d'horreur. Et beaucoup de fantastique aussi. Après, tout ce qui est policier et tout, c'est pas trop mon kiff. Faut que le rouge se barre. Je puisse voir quelque chose. Série récente. Game of Thrones, Viking. Après, je sais plus trop de mémoire. Alors. Eh oh. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah. Voilà. Alors, voyons voir. Essayer de la caler sous le coaster. Je sais pas ce que ça va donner ça. De la vue des visiteurs, ça donne quoi? Oh mais voilà, je vais y arriver quand même.
que j'éclaire aussi sur le côté. Et le deuxième, il est là. Tac. J'ai enlevé la rotation. Salut Baptiste! Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Tac. On va mettre une autre ici. Ça à moi, moi si je joue à Pokémon Go. Par contre, on va le cacher. Ouais, c'est peut-être pas là-dedans. Voilà. Ceux du bas, on peut les laisser. Trop gros. Ok. Tiens. Sinon, oui, moi je joue à Pokémon Go aussi. Ah merde. Hop. Allez. Voilà. Ouais, c'est un peu trop rouge là. Tac. Ah merde, c'est pas mis. Tac. Ouais, j'arrive à faire le même effet de l'autre côté. Voilà. Il me laisse même pas le temps de mettre les lumières. Ah là 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 là. Pour l'instant.
d'entrée, j'avais mis du blanc, donc ça va. Rajouter un chouï. Oh, quoique non, il n'y a pas forcément besoin. Là, on est bon. Une chose qui manque. Est-ce que ça ferait pas? Ça y est, j'ai encore merdé avec la caméra. Ouais, si je mets en bas, ça peut le faire, ça. Tac. On remettre une ici. Et voilà. Bon allez, on va le faire le tour. Tac. Donc là, on est bon et c'est parti.
Et voilà. Donc il y a encore pas mal de boulot. Mais déjà avec les lumières et tout, t'as déjà un peu plus d'ambiance.